Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous ceux qui se sont déplacés jusqu'ici et celles et ceux qui nous regardent depuis chez eux, depuis leur écran, puisque cette séance est diffusée intégralement en direct sur un canal, je crois que c'est YouTube, de la Cité des sciences et de l'industrie. Bienvenue à vous pour inaugurer ce nouveau cycle de rentrée de la Cité des sciences et de l'industrie, un cycle intitulé « La vie selon ». Trois petits points, en effet, puisque plusieurs personnalités vont se succéder au fil de l'année pour parler de leur conception dans leur métier. Ce sont souvent des scientifiques, même exclusivement des scientifiques, mais de disciplines très différentes les uns des autres, pour parler de la façon dont eux et elles considèrent, se représentent le vivant, eux-mêmes déjà, dans leur parcours, et puis bien sûr dans leur discipline. Comment ils vivent au quotidien, leur quotidien de médecin pour ce soir et de chercheur, mais aussi quelle est la place de la vie, et donc nécessairement de la mort, dans leur recherche, dans leur discipline. Pour inaugurer ce cycle, j'ai le plaisir et l'honneur d'échanger ce soir avec Alain Fischer. Alain Fischer, dont le CV est long comme un bras, mais je ne vais sûrement pas faire l'ensemble. Ce serait beaucoup trop long, aussi bien en termes de parcours professionnel que de médailles. Mais Alain Fischer, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un médecin et un chercheur reconnu par ses pairs. Ça, c'est une certitude, c'est même une sommité dans le milieu scientifique. Il a reçu le Grand Prix de l'Inserm en 2008, le Japan Prize, qui est un prix très réputé en 2015 également. Alain Fischer est professeur émérite au Collège de France, où il a occupé la chaire de médecine expérimentale. Il est membre de l'Académie des sciences, membre de l'Académie nationale de médecine. Mais avant tout, c'est un pédiatre et un immunologiste. Il va falloir d'ailleurs tourner autour de la définition de ce terme d'immunologiste. Pédiatre, je pense que tout le monde la connaît. C'est même l'un des pionniers en France de la thérapie génique. Et là aussi, nous en parlerons ce soir avec vous, Alain Fischer, si vous le voulez bien. Vous avez été chef de service à l'hôpital Necker Enfants Malades de 1996 à 2012. Vous avez cofondé l'Institut des maladies génétiques Imagine, que vous avez dirigé de 2007 à 2016. En 1996, vous avez conduit le grand débat national sur la vaccination des nourrissons. Et puis en décembre 2020, alors que les premiers vaccins contre le Covid-19 sont créés, vous avez été nommé à la présidence du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui a été créé et placé auprès du ministère des Solidarités et de la Santé, poste que vous avez occupé le temps qu'il fallait. Maintenant, c'est terminé. Peut-être que ça va être recréé, on verra. Mais je ne suis pas sûre qu'on aborde cette question ce soir, bien que la vaccination, nous l'abordions absolument au cours de notre discussion. Pour commencer cette conversation, peut-être que d'ailleurs, je commencerai ainsi chaque intervention. Vous allez l'inaugurer, donc on va voir ce que ça va donner avec vous en direct. Je voudrais vous demander, Alain Fischer, en reprenant le titre d'un ouvrage de l'anthropologue Françoise Héritier, ce qu'est pour vous, ce qui fait pour vous le sel de la vie. Bonsoir. Je vais parler du sel de la vie professionnelle. Le sel de la vie tout court, chacun sa définition, chacun sa vie, et on en connaît les éléments. Le sel de ma vie professionnelle, c'est une combinaison en fait, que j'ai toujours voulu. Il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir travailler ainsi, de combiner la médecine dans le sens de soigner des personnes malades, en l'occurrence pour moi essentiellement des enfants, et en même temps d'exercer une activité de recherche pour comprendre ces maladies et de temps en temps mieux les traiter. C'est cette combinaison qui n'est pas si simple de mettre en place parce que il y a d'un côté la médecine, de l'autre côté la recherche scientifique. Et évidemment, les deux se touchent par définition, mais font appel à des connaissances différentes, des raisonnements différents. Mais bon, le sel de ma vie professionnelle, c'est d'avoir pu allier les deux, et en plus d'avoir pu allier les deux dans de bonnes conditions, c'est-à-dire dans un même lieu. Vous l'avez cité, c'est l'hôpital Necker Enfants Malades, qui est un lieu assez emblématique, je pense, de la médecine en France, où il était possible, grâce à des personnes qui y ont travaillé il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 70 ans, Jean Burger, par exemple, qu'on peut citer, qui est une grande figure de la médecine française, ou Pierre Royer, qui est moins connu, un grand pédiatre. Se sont établies des unités de recherche à proximité immédiate pendant longtemps. C'était un peu archaïque, mais
pendant très longtemps, j'ai travaillé dans un bâtiment où au premier étage, il y avait les malades et au rez-de-chaussée, le labo de recherche, pour vous dire. Et même, j'ai fait des choses qu'il ne faut pas faire, j'avoue, ce soir. Quand j'étais de garde, j'étais à l'époque encore interne, il m'arrivait d'être en même temps de garde et d'aller faire des manips au laboratoire en dessous. Parce que comme c'était juste à côté, je pouvais passer de l'un à l'autre. Bon, aujourd'hui, c'est inconcevable. Néanmoins, cette proximité, cette unité de lieu, alors vraiment, c'est du théâtre classique dans toute sa splendeur, et toujours, sur des formes tout petit peu différentes, extrêmement fructueuse et permet cet alliage que je considère comme, en tous les cas pour moi, comme étant donc le sel de la vie de la médecine, si je puis dire. Et puis, effectivement, peut-être nous aurons l'occasion de développer tout à l'heure ce qui est le sel de la vie pour vous. C'est aussi un vœu aujourd'hui, effectivement, de réunir dans un même lieu, ça ne se fait pas toujours, le soin, la médecine et la recherche. On garde ça pour tout à l'heure. En fait, j'ai présenté votre parcours à très gros traits, mais j'aimerais bien qu'on explique aux personnes qui sont là, qui nous regardent et qui nous écoutent, d'où vous parlez en tant que médecin et en tant que chercheur, mais que vous le fassiez vous-même plutôt que ce soit dans ma bouche. Et donc, on commence par le commencement. Le commencement étant votre choix, votre envie de devenir médecin. Est-ce que c'était pour vous... Alors, peut-être pas un atavisme, parce que je crois que vous aviez un père négociant et une mère chimiste, mais peut-être que si on remonte dans la famille, il y avait des médecins, je ne sais pas. Un atavisme, peut-être pas. Une vocation, en tous les cas, pas au XXe siècle. Pas au XXe siècle, faire remonter, ça nous entraînerait trop loin. Un hasard, une vocation. Comment est née votre envie de devenir médecin ? Avant même la pédiatrie. Hein, j'ai médecin. Compris. À vrai dire, c'est venu assez tôt, au lycée. J'étais un lycéen atypique dans le sens où je ne m'intéressais pas beaucoup aux études. Je m'intéressais à pas mal de choses, mais surtout pas à ce qu'il fallait apprendre en classe. Donc, c'était une espèce de réaction. Pas d'hostilité, mais j'étais à côté pendant longtemps. Je pense, peut-être que c'était juste l'immaturité d'adolescent. Mais dès ce moment-là, je m'intéressais à la médecine. Pourquoi ? Je n'en sais strictement rien. Je n'ai effectivement aucun antécédent familial ou quoi que ce soit dans l'environnement. J'ai des souvenirs, souvenirs d'une émission de télévision qui existait à l'époque, où il y avait des reportages sur des grandes questions médicales. C'était, comment il s'appelait ? Igor Barrère, qui est assez connu, qui est décédé maintenant, qui réalisait cette émission, dont le générique était la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Ça m'a frappé. Est-ce que c'est ça qui m'a... J'en sais rien. Enfin, j'ai ce souvenir, en tous les cas. Et je sais que quand je voulais faire la médecine, et je voulais faire de la recherche en médecine. Donc j'étais assez déterminé très tôt, mais je ne suis pas capable de vous donner une réponse plus précise, plus intelligente à votre question. Ça reste une part de mystère. De mystère, très bien, c'est bien. Quelques mystères, oui. Est-ce que dans les études de médecine... On consacre une place en dehors du corps humain et de l'organisme. On consacre une place particulière au vivant, à la vie. Est-ce qu'on vous dit, vous êtes là parce que vous allez préserver la vie à tout prix ? Alors, quand j'ai fait mes études, ça commence à remonter un tout petit peu. C'est de 1968 à 74-15 par là. Alors, en gros, la réponse est non. J'ai détesté mes études de médecine. Je suis visiblement pas un élève très docile. Je les ai détestés parce que je les trouvais stupides. En même temps, je reconnais qu'en médecine, on est obligé d'apprendre beaucoup de choses qu'il faut apprendre par cœur. Il n'y a pas de miracle. Ça n'a pas changé. Et ça n'a pas changé. Et ça, c'est incontournable. Il faut reconnaître. Il faut mieux que le médecin il sache un certain nombre de choses de façon précise. On faisait pas beaucoup appel à la réflexion. Je pense un peu plus aujourd'hui, mais à mon avis, pas encore de façon très, très importante. Enfin, pas d'une façon qui soit, à mon avis, qui fasse appel à une pédagogie... intelligente, même si on fait les choses mieux qu'il y a 50 ans. Mais pour répondre plus précisément à votre question, c'était certainement non à l'époque. Il n'y avait pratiquement pas de considération d'ordre éthique sociétal autour de la médecine. On apprenait la technique de la médecine. Aujourd'hui, c'est entré dans les études de médecine, même peut-être un peu trop tôt, parce qu'assez souvent, dans la première année de médecine, c'est la terrible année où il faut passer un concours, malheureusement, et qui, à mon avis, est encore une affaire pas très intelligente. Mais bref. Il y a des notions de sciences humaines et sociales autour de la médecine, ce qui est à la fois une bonne idée et probablement pas une très si bonne idée que ça. Bonne idée dans l'absolu, ça rejoint le point qu'est-ce que la vie ? Je pense qu'est-ce que la vie pour un médecin ? C'est fondamentalement pose toute une série de questions majeures, donc certaines sont d'ailleurs en débat actuellement au niveau de notre société, sur la fin de vie en particulier, mais pas que. Mais ça vient trop tôt.
J'ai en première année de médecine où les étudiants ils sont complètement omnubilés parce qu'il faut apprendre pour le concours. Ils ne sont pas dans une phase où ils peuvent vraiment réfléchir à ces questions. Ils ne sont peut-être pas toujours non plus assez mûrs. Donc c'est mieux que ça se situe un peu plus tard. Mais ça a commencé à rentrer dans les études de médecine. Il reste un peu de travail. Le choix de la pédiatrie ? À quel moment ? Non, c'est le hasard complet, là. Comme beaucoup de choses dans la vie. On fait des stages quand on est étudiant en médecine. En deux ou troisième année, on commence à aller à l'hôpital. On ne sait rien, mais c'est bien. On commence à être au contact des malades, ce qui est absolument essentiel. Et le hasard, parce qu'on ne choisissait pas ces stages, m'a fait atterrir dans un service de pédiatrie où il y avait un embryon d'activité de ce dont on va parler, d'immunologie. Et je trouvais ça fabuleux. Je lui ai dit, c'est ça que je veux faire. Donc, c'est le hasard total. Mais j'ai été conquis par à la fois un côté qui était très humain des médecins qui s'occupaient de ces enfants avec des pathologies du système immunitaire, ce qui veut dire être gravement malade quand notre système immunitaire ne fonctionne pas, et en même temps, à l'évidence, de façon sous-jacente, des questions scientifiques non résolues et qui méritaient qu'on s'y attaque. Bon, bah, la question suivante est évidente. Hein. Donc, l'immunologie, voilà. Oui, c'est lié. Je trouvais que c'était un bon endroit pour finalement essayer de mettre en pratique ce que j'ai évoqué et que j'avais en tête finalement, depuis mon adolescence, c'est-à-dire de combiner la médecine, soigner les gens et faire de la recherche pour améliorer ses soins. C'était un domaine, mais c'est évident qu'il y en a bien d'autres. Mais pour moi, ça m'a paru absolument clair que c'était un endroit possible et que la possibilité était là et voilà, je l'ai saisi. Donc, travailler sur l'immunologie, c'est travailler sur les systèmes immunitaires déficients. Vous avez été particulièrement... Vous vous êtes fait connaître, disons, par votre recherche d'un traitement d'enfants atteints d'une forme particulièrement rare et sévère de déficit immunitaire qui les condamne à vivre dans des chambres isolées. C'est ce qu'on appelle les enfants bulles. Vous nous en diriez quelques mots, juste des enfants bulles, pas de la thérapie, mais des enfants bulles. Oui, j'ai compris. Bon, d'abord, l'immunologie, quand même. L'immunologie, c'est l'étude des moyens de défense de nos organismes, sachant que tous les organismes vivants ont des moyens de défense, même les virus. Il y a des bactériophages, qui sont des tout petits virus qui sont connus depuis bien longtemps, dont nous en avons un très, très grand nombre d'exemplaires dans notre intestin. Même ces petits bactériophages, ils se défendent. Les bactéries se défendent, le fameux système CRISPR-Cas9, dont on parle beaucoup depuis quelques années à juste titre, même s'il faut aussi être prudent dans les utilisations, mais est un système de défense des bactéries contre des virus. Donc la défense contre les autres, la préservation du corps, au sens très très large du mot corps, parce que le corps d'une bactérie, c'est jamais qu'une petite cellule, un virus, c'est encore moins. La défense est consubstantielle à la vie, on y revient, parce que s'il n'y a pas ce moyen de défense, il y a des prédateurs, nous sommes tous des prédateurs les uns pour les autres, dans le monde vivant. Et donc, la sélection darwinienne des espèces implique la capacité de se défendre contre d'autres êtres vivants, donc spécifiquement pour nous, surtout contre des microbes, donc des tout petits êtres vivants, mais aussi quelques parasites. Donc, ces systèmes de défense, qui sont assez sophistiqués, qui se sont développés au cours de l'évolution pendant des milliards d'années, sont devenus au cours de l'évolution extrêmement complexes, plusieurs types de cellules, de molécules, etc., etc. Et bien, de façon correspondante, il y a des maladies de ce système. Il y a des maladies assez fréquentes dont tout le monde a entendu parler, les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires, où, pour une raison ou une autre, souvent à l'âge adulte, le système commence à se tromper de cible au lieu de faire son boulot, c'est-à-dire éviter qu'on soit infecté par des bactéries ou des virus pathogènes. Peut-être on reviendra sur la notion que pas toutes les bactéries et les virus sont pathogènes. On reviendra à ça plus tard. Eh bien, il s'attaque à nous-mêmes, à nos propres constituants, ce qu'on appelle une maladie auto-immune, pareil, la sclérose en plaques, la dermatomyosite, et bien, il y a au moins 80 maladies auto-immunes et qui touchent quand même entre 5 et 10% de la population. Donc, c'est le troisième en fréquence de sévérité, c'est le troisième type de maladie grave après le cancer et les maladies cardiovasculaires, au moins dans les pays développés. Mais de façon plus rare, il y a les maladies génétiques de son système, donc il y a des mutations des gènes qui sont impliqués dans la production de protéines importantes pour les défenses, comme les immunoglobulines, parmi bien d'autres. Et il y a des centaines de maladies de ce type qui sont très rares, mais qui constituent ce qu'on appelle les déficiences immunitaires. Maintenant, on utilise un terme plus générique d'erreur innée de l'immunité. Donc le système immunitaire ne fonctionne pas bien.
parce que telle ou telle pièce du système, il y a beaucoup de pièces, est absente ou est présente mais fonctionne mal, ou parfois à l'inverse, fonctionne trop bien et qui peut par exemple provoquer des maladies auto-immunes. Donc ça, c'est le cœur de mon activité de recherche, et d'identifier ces maladies, de les comprendre avec un double objectif, l'objectif d'arriver vers les soins, mais aussi comprendre ces maladies, c'est une façon indirecte d'étudier la physiologie, donc le fonctionnement normal. En étudiant la normale, on comprend parfois ce qui se passe normalement. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant 40 ans, en plus même. Et donc parmi toutes ces déficiences, il y a celles que vous évoquiez, qui sont les plus sévères, qui touchent environ un enfant sur 50 000 à la naissance, donc c'est très peu, mais pour ces enfants-là, c'est critique. Ils naissent sans un certain type de globules blancs, qu'on appelle les lymphocytes T. Il y a deux types de globules blancs, schématiquement, les polynucléaires neutrophiles, on a tous vu les résultats de numération formule sanguine, il y a les polynucléaires neutrophiles et les lymphocytes, puis on a encore quelques autres, mais c'est les plus importants. Les polynucléaires et les lymphocytes sont des cellules impliquées dans les défenses immunitaires. Et donc, si on prend maintenant le groupe des lymphocytes, parmi eux, il y en a aussi plusieurs groupes, et le groupe principal s'appelle lymphocyte T, T comme thymus, parce qu'ils naissent dans le thymus. Le thymus, c'est le riz de veau, hein, sur un plan gastronomique, qui est situé à la partie supérieure. J'adore le riz de veau. À la partie supérieure, probablement pas, parce que je suis immunologiste. À la partie supérieure du thorax. C'est là que ces cellules se développent. Et donc, ces enfants ont la malchance de ne pas avoir ces lymphocytes T, parce qu'il y a une mutation d'un gène, ça suffit, toute petite anomalie, qui, à un moment du développement de ces cellules, les bloque. Donc, ils naissent sans lymphocytes T. Et on ne peut pas vivre sans lymphocytes T, parce que ces cellules jouent un rôle, enfin de multiples rôles, dans la défense contre les bactéries, les virus, les champignons, les parasites, bref, contre tous les micro-organismes qui sont pathogènes, et même d'ailleurs contre des micro-organismes qui ne sont normalement pas pathogènes. Donc les enfants qui ont cette malchance, le terme scientifique c'est déficit immunitaire combiné sévère, donc transformé en bébé bulle si on veut, j'aime pas trop le terme, mais je vais dire pourquoi dans une seconde. Ces enfants n'ont pas de lymphocytes T à la naissance, et s'ils ne sont pas traités assez vite, meurent inéluctablement dans la première année de vie avec multiples infections. Donc bébé bulle, c'est lié au fait que celui qui était mon prédécesseur dans ce domaine, qui s'appelle Claude Grisselli, il a, dans les débuts des années 70, il a eu l'idée, en discutant avec des gens du CEA, d'utiliser des bulles dans des enceintes stériles, plastiques, transparentes, qui étaient utilisées au CEA pour manipuler des radioisotopes, ça n'a rien à voir. Mais l'idée était de placer ces enfants dans ces enceintes stériles, donc à l'abri des microbes, transparentes permettant de les voir, et avec des systèmes souples permettant d'être au contact de ces enfants, et donc de les y placer le temps d'un traitement, quelques mois, jamais plus. En fait, aujourd'hui, on s'est aperçu qu'on n'a plus besoin de ces enceintes stériles, ça n'existe plus. Et ces enfants sont hospitalisés le temps de leur traitement dans des chambres pas conventionnelles, ce sont des chambres dites stériles, chambres à flux laminaire, peut-être certains ont entendu parler de ce terme, parce qu'il est utilisé en hématologie, ou des chambres où circule un air stérile. Bon, mais il n'y a plus besoin. Mais c'est resté effectivement ce terme un peu fantasmagorique de bébé bulle. Voilà. Pardon pour cette longue réponse. Absolument pas. Non, on est là pour ça. Pour expliquer, répondre à votre question. Vous disiez, c'est pour les enfants bulles, ou les bébés bulles, un enfant sur 50 000. Oui. Vous disiez, c'est peu, mais en même temps, évidemment, quand ça touche un enfant, c'est dramatique. Je pense que quand on évoque la vie d'un médecin, chercheur, médecin, on ne peut pas ne pas parler de la vie des malades, parce que je suppose que vous êtes médecin pour les malades, mais vous vivez avec les malades aussi. Donc, quelle est votre relation à vous avec les malades, et considérez-vous que cette relation a évolué dans le temps ? Oui, forcément, ne serait-ce que par l'expérience et l'âge, et même la différence d'âge avec le malade. Enfin, pour les nouveaux malades. Cela dit, pour moi, la relation est très très forte, parce que quand on a affaire à des enfants atteints de maladies génétiques, alors il y a deux situations. Il y a les maladies génétiques qu'on peut guérir, donc typiquement pour les enfants entre guillemets bulles, soit par une greffe de moelle osseuse, soit par une thérapie génique. On continue néanmoins à les suivre. Et je viens d'arrêter mes consultations, enfin pas de presque, j'en ai gardé quelques malades, mais et donc il y a des patients que je suis depuis plus de 40 ans. Donc vous imaginez, je ne les vois pas tous les jours, évidemment, mais une fois par an, deux fois par an. Mais la relation avec ces patients, donc qui étaient des enfants qui sont devenus des adultes, qui maintenant ont des enfants eux-mêmes, pas encore des petits-enfants, mais pas loin, c'est une relation forcément extrêmement forte. Il faut garder, je pense que c'est indispensable, une distance, parce qu'il faut continuer à être
objectif dans la façon d'évaluer les situations et de prendre des décisions quand décisions sont nécessaires, mais en même temps, s'établit une relation, une forme d'affectivité qui est très très forte dans les deux sens. Je peux vous dire, quand certains leur annonçaient que j'arrêtais mes consultations, ils sont mis à pleurer, etc. Bon, j'ai eu de très beaux cadeaux, c'est les côtés sympas, mais c'est forcément une relation très très forte et on apprend beaucoup d'eux. Et dans ce parcours commun sur le long terme. Alors, 40 ans, c'est une situation un peu exceptionnelle, mais enfin, il y a beaucoup des patients que j'ai suivis, je les ai suivis pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ceux en plus qui n'avaient pas de traitement curatif, qui avaient besoin de traitements réguliers, comme des immunoglobulines, par exemple, donc les voyant régulièrement. Donc, on les suit forcément. Si on suit ces patients, on discute de leur maladie, mais immédiatement après, on discute de leurs études, de leur famille, de leurs copains, qu'est-ce qu'ils font à l'école, quel sport ils font, enfin bref, de la vie. Et ça fait partie, et je pense que c'est en soi une vertu thérapeutique, au moins pour eux, je ne dis pas pour le médecin, mais c'est être en situation d'une relation aussi forte, il faut être une situation suffisamment équilibrée pour la mener, mais je pense que pour des patients atteints de maladies chroniques, donc on peut largement aller au-delà des patients dont je m'occupe, c'est quelque chose d'important. On continue parce que sinon on y passerait des heures, je pense, même sur ce point précis du rapport au malade. Parlons un peu de votre vie de médecin et de vie de chercheur, puisque vous dites que c'est quand même lié en permanence, et donc des conditions pratiques qui sont les vôtres aujourd'hui. L'Institut Imagine, comment se passe vraiment au quotidien votre vie de médecin, votre vie de chercheur? Alors aujourd'hui, on a la chance de bénéficier d'un superbe institut. Peut-être certains d'entre vous sont passés devant, qui est boulevard Montparnasse, avec des décorations, des fenêtres un peu bizarres, mais enfin, c'est quand même un superbe institut qui a ouvert en 2014. Donc, il a 8 ans d'âge. Et j'ai eu la chance de le diriger pendant les premières années. Et c'est un institut qui est extrêmement intéressant. Parce que d'abord, il a été conçu d'une manière de réunir des équipes de recherche dont le thème commun sont les maladies génétiques. Mais pour ce qui me concerne, c'est le système immunitaire. Pour d'autres, sont les maladies du développement du cerveau, des reins, de l'os, etc., etc. Où il y a beaucoup de points communs dans ces recherches, évidemment des différences. Mais de les réunir pour pouvoir travailler ensemble dans les meilleures conditions. Il y a 500 chercheurs dans cet institut, donc beaucoup d'interactions entre chercheurs d'horizons un peu différents. Faire venir des gens qui ont des connaissances complémentaires. Aujourd'hui, la recherche en biologie repose beaucoup sur l'informatique, le traitement de données, la capacité d'analyse de données. Donc, il y a des informaticiens dans cet institut, en pagaille, si je puis dire, et c'est absolument nécessaire. Et en même temps, cet institut est un lieu où il y a des malades. Au rez-de-chaussée, il y a des consultations. Donc, les enfants dont on parlait tout à l'heure, ou quand ils sont devenus adultes, viennent au rez-de-chaussée. Et au-dessus d'eux, ils voient les étages. Il y a un grand patio, donc on peut voir un peu ce qui se passe dans les étages. Donc, ils savent qu'au-dessus d'eux, c'est un peu symbolique, mais il y a des chercheurs qui essayent de bosser pour mieux comprendre leur maladie, éventuellement de les traiter. Et réciproquement, je pense que ce n'est pas négligeable, les chercheurs, y compris beaucoup qui ne sont pas médecins, qui ont fait des études scientifiques classiques, savent qu'au rez-de-chaussée, il y a les patients qui ont les maladies sur lesquelles ils travaillent. Donc c'est vraiment l'unité de lieu dont je parlais déjà tout à l'heure, elle est réelle. Bon, dans mon quotidien, donc ça veut dire prendre l'ascenseur ou de temps en temps essayer de monter à pied, c'est mieux, mais entre le rez-de-chaussée et l'étage où je travaille, où il y a les laboratoires et mon bureau, c'est à la fois, il y a une valeur symbolique, mutuelle, mais en même temps c'est une réalité qui permet de vraiment, pour les gens comme moi, mais il y en a un certain nombre, donc qui sont à la fois médecins, praticiens et chercheurs, d'exercer leurs deux métiers en même temps dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que parfois, vous allez tester des choses que vous êtes en train de chercher sur des malades qui sont forcément, en bas. Oui, ça ne se passe pas dit comme ça, ça peut paraître un peu curieux et dangereux. Mais c'est le schéma logique de la recherche qui a un objectif médical. C'est un circuit qui part du malade. La question est posée par l'observation des patients. Comment se fait-il que cet enfant n'est pas capable de se défendre contre tel ou tel microbe? Donc un certain nombre d'analyses classiques permettent de voir telle ou telle anomalie. Donc on va aller au laboratoire et on va se poser la question, cette fois-ci, quel est le gène déficient, si c'est une maladie génétique? Et puis le jour où on a trouvé le gène, ça peut déjà prendre un petit peu de temps, mais maintenant ça va assez vite avec les nouvelles techniques dans le domaine de la génomique. En quoi cette mutation est responsable de la maladie? Donc ça, c'est une phase très longue.
d'études dites physiopathologiques, donc l'étude des mécanismes de maladie, qui vont, ça se fait avec plein de petites cellules qu'on modifie génétiquement, etc. Ça se fait avec des souris, ou éventuellement d'autres animaux. À l'Institut Imagine, il y a des mouches, des drosophiles, il y a des poissons zèbres, petits poissons qui sont très intéressants à étudier, parce qu'ils ont une série de propriétés qui les rendent aisés à tester, et des souris. Les plus gros animaux, c'est pas l'Institut, mais donc il y a une phase d'études chez l'animal où on peut évidemment poser des questions dans des conditions éthiques acceptables, mais qui ne le seraient pas chez l'homme. Et après ce parcours, qui peut prendre 2 ans, 10 ans, 20 ans, le temps de la recherche est un temps de la patience, et bien de temps en temps, on peut arriver avec un résultat qui se dit, ça vaudrait peut-être la peine de le transposer à l'homme. Donc on va faire ce qu'on appelle un essai clinique, qui est très régulé, avec des conditions, même, c'est même assez lourd, ça prend pas mal de temps, pour obtenir les autorisations qui permettent de tester. Ça peut être un test diagnostique ou une thérapeutique, évidemment, ce qui est le plus intéressant. C'est un travail solitaire ou c'est un travail en équipe? Non, c'est un travail de plus en plus en équipe. Aujourd'hui, ce n'est à peu près plus concevable qu'une personne seule fasse ce type de travail, parce qu'il faut des compétences multiples. Les projets sont lourds, sont longs, je l'évoquais tout à l'heure, donc les équipes sont de taille variable. Mais il y a deux niveaux, disons qu'il y a l'équipe, le cercle étroit autour d'un projet de recherche précis, et puis il y a toute une série de personnes, ce qu'on appelle dans notre jargon des plateformes, bon, c'est vraiment du jargon, mais qui permettent d'avoir accès à toute une série de technologies nécessaires, par exemple le séquençage de l'ADN, la bioinformatique pour traiter les informations, des microscopes très sophistiqués pour étudier très très finement ce qui se passe dans les cellules, et ainsi de suite. Donc il y a ces différentes plateformes où il y a des gens compétents qui savent les utiliser au mieux, et donc c'est une interaction avec eux. Donc il y a plusieurs cercles d'interaction, mais tout cela est un travail éminemment collectif, de plus en plus collectif. Ça se reflète d'ailleurs dans les publications scientifiques, hein, qui sont le fruit de la recherche, où en moyenne, il y a 20 ans ou 25 ans, il y avait 3-4 personnes qui signaient les papiers. Aujourd'hui, ce n'est pas rare d'en trouver 20, 30, 50, voire plus. C'est parce que, de fait, ce sont des sujets, des travaux de plus en plus complexes et qui nécessitent des compétences multiples. Vous disiez que c'était un aller-retour. Alors, un aller-retour entre la recherche et la médecine, au sens géographique dans votre institut, mais aussi au sens symbolique. Si on continue avec l'exemple des bébé bulle, j'imagine qu'il y a eu aussi des allers-retours, c'est-à-dire des avancées, et puis des reculs, des arrêts. Et puis, est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que c'est très difficile de tenter de trouver de nouveaux traitements. Je pense que ça ne se fait pas sur une ligne toute droite. Si vous avez de la patience, je peux vous raconter une histoire qui a maintenant 44 ans, 78, c'était juste après mon internat, où nous avions observé des gens qui étaient plus seniors que moi, donc certains des enfants dont on parlait tout à l'heure, ces petits bébés qui avaient des infections graves, avaient une maladie qui ne touchait que les garçons, qui était transmise donc par le chromosome X, parce que c'est-à-dire que le gène est situé sur le chromosome X, comme l'hémophilie, hein, classiquement. Donc c'était une première étape. Quelques années plus tard, il était possible d'aller plus loin dans les études génétiques, donc on a quelqu'un au laboratoire qui s'appelle Geneviève de Saint-Basile, a été capable de localiser exactement sur le chromosome X où était le gène en question. Là, on est dans les années 85, à peu près. Ça fait déjà 7 ans. Ouais. Ensuite, je vais accélérer le parcours, mais c'est l'identification du gène. Ça a été fait avec d'autres, 93. L'étape suivante, c'est comprendre à quoi sert le produit de ce gène. Parce que, donc, par exemple, construire des petites souris modèle de la maladie humaine, il y a des techniques aujourd'hui, déjà à l'époque, étaient disponibles pour inactiver ce gène. Donc le gène est muté et donc ne fonctionne pas. Donc on étudie ces souris. Ça, on a fait ça en 1995. Et après, au même moment, découverte fortuite, ça c'est extrêmement important, c'est d'avoir l'œil attiré par des observations parfois tout à fait étonnantes. Toujours Geneviève de Saint-Basile, chercheur avec nous, décrit un patient qui a cette maladie, mais qui en vit à 6 ans. Alors qu'aucun enfant au monde avec ce type de maladie ne peut être encore là après 6 années, compte tenu du difficile. Parce qu'en fait, sa maladie a été atténuée par un événement incroyable. C'est une réversion de la mutation. Dans ses cellules, la mutation s'est corrigée toute seule. Ça arrive, c'est exceptionnel, mais ça arrive. Aujourd'hui, on comprend ça mieux. Et cette observation, elle date entre les années 96-97, avec une série d'études, nous a fait comprendre
que, en fait, ce qui s'était passé chez cet enfant, c'est une forme de thérapie génique spontanée. Par lui-même, on s'est dit que si ça peut arriver par chance, une fois rarement, mais une fois de temps en temps, on peut peut-être arriver à le faire avec une, cette fois-ci, thérapie génique, en introduisant le gène normal dans les cellules. Donc ça a été fait chez la souris, tout le chemin que j'expliquais tout à l'heure. À nouveau, ça se passe entre les années 95 et 2000. Oui, ça fait déjà 22 ans depuis 78. Et ensuite, donc, ça a permis de déboucher sur une première étude clinique, commencée exactement en 99, qui a montré un succès de cette approche. C'est-à-dire que les enfants ont corrigé leur déficit nutraire, ont pu sortir de leur bulle. Il y avait encore les bulles à l'époque, donc c'est une avancée. Mais on s'est aperçu en 2003, donc 3 ans plus tard environ, que quelques-uns de ces enfants, pas tous, malheureusement, ont développé des complications, des cancers, qui étaient en fait liés à la technologie, chose qu'on ne pouvait pas savoir 3 ans avant. Mais donc c'est évidemment une forme de recul. Mais enfin, ce n'est pas exactement un recul. Évidemment, c'est un choc, avec même si les choses sont finalement, sauf une exception près, bien passées pour ces enfants. Donc ça veut dire arrêt de ces essais cliniques, retour au laboratoire, c'est exactement ce que vous évoquiez. Pourquoi ça se passe ? Donc là, 2003 jusqu'à 2009, 6 années de travaux pour comprendre pourquoi cette complication survient alors qu'on a une thérapeutique qui a l'air d'être tout à fait efficace. Compréhension, nouveaux essais cliniques, 2009, 2010, cette fois-ci ça fonctionne sans cette complication. Ça nous amène à 2015, 16, 17, on s'approche de la situation actuelle. Mais en même temps, on s'aperçoit que la correction du système immunitaire, elle est très bonne, mais elle n'est pas parfaite. Donc on apprécie exactement qu'est-ce qui n'est pas parfait et permettant de rebondir encore et d'améliorer un peu les choses, 2019. Enfin bref, voilà comment se passent les choses, étape par étape, avec des régressions apparentes, mais on apprend aussi des échecs, ou des échecs partiels. Et c'est l'histoire d'une recherche appliquée à la médecine. C'est comme ça que les choses se passent. Et c'est important de le comprendre, c'est pas évident a priori. C'est pas si simple à mettre en œuvre parce qu'un projet de recherche dans une grande durée implique beaucoup de monde. Et par exemple, un étudiant en thèse qui va faire une thèse de science, un PhD, comme on dit en anglais, il va rester 3-4 ans au labo. Donc il ne participe pas de dizaines d'années de projets. Mais il faut une certaine stabilité. Alors, ce qui est une chose qui est faisable en France, même si le système a quelques inconvénients, parce que nous avons des chercheurs qui sont relativement jeunes, pas si jeunes, obtiennent un poste stable, 30 et 35 ans, chargé de recherche ou bien maître de conférence à l'université, et qui peuvent donc éventuellement faire une longue carrière sur les projets. Ça, c'est un avantage du système de recherche français. L'inconvénient, c'est que les gens sont peut-être parfois trop stables par rapport au monde anglo-saxon, par exemple, où, où les gens n'obtiennent des postes titulaires que plus tard. Mais donc, cette notion de durée est importante à faire comprendre aux politiques, à nos concitoyens, et qu'en gros, on ne peut pas programmer, je généralise le propos, on ne peut pas généraliser. Les politiques ont cette tendance à penser, allez, on va mettre le paquet pendant, je dis n'importe quoi, pendant 5 ans sur l'autisme. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est un problème très grave. Mais ce n'est pas parce qu'on décide de mettre beaucoup d'argent et sur 5 ans dans l'autisme qu'on va réussir. Il faut que ça arrive au bon moment, et ça va peut-être prendre 30 ans ou 40 ans. Donc le temps de la recherche n'a rien à voir avec... En gros, le temps de la politique, si on prend l'exemple des hommes politiques, mais même le temps de la vie en général, y compris des familles de malades, si on revient au plus proche des situations des malades, qui sont évidemment, et c'est le moins qu'on puisse dire, légitimes dans l'impatience. Mais ils comprennent en même temps que c'est compliqué et que ça prend du temps. Et qu'on aboutit à quelque chose, hein, puisque sur les 16 enfants traités à ce jour, je crois que 15 ont été guéris de leur déficit immunitaire. Oui, il y en a même un peu plus aujourd'hui, mais si on prend les premiers, oui, c'est ça. Oui, oui. Donc la thérapie génique, ça a été une très grande trouvaille. Ça a pris 40 ans et quelques. C'est une très grande trouvaille. Est-ce que dans votre domaine, Alain Fischer, il y a d'autres thérapies dont vous pourriez aujourd'hui être aussi fier ou qui sont vraiment presque au bord d'aboutir à... Bon, il n'y a pas tant de thérapeutiques que ça. Il y a toujours des espoirs de guérison et de traitement dans mon domaine. Il faut savoir que les globules blancs dont je parlais tout à l'heure, les polynucléaires et les lymphocytes, donc un paquet de maladies qui concernent ces cellules. Elles proviennent toutes ces cellules, de la moelle osseuse, dans nos os, à ne pas confondre avec la moelle épinière, ce qu'on confond parfois. La moelle osseuse, donc au sein de nos os, nous, c'est une espèce d'usine où en permanence nous fabriquons nos globules rouges, nos globules blancs, avec d'ailleurs en nombre considérable. C'est absolument extraordinaire de voir les globules blancs polynucléaires. Tous les 2 jours, on les renouvelle.
Ça donne un ordre. Et il y en a 4-5 000 par millimètre cube de sang. Et donc, dans cette moelle osseuse, il y a des cellules particulières qu'on appelle les cellules souches, qui sont capables de donner naissance à tous les globules rouges, blancs, et les plaquettes aussi, importants pour la coagulation. Donc, on en a un certain stock. Et ces cellules souches, donc c'est d'ailleurs comme ça qu'on les définit, lorsque cette cellule se divise, donne naissance à deux cellules. Il y en a une des deux qui va s'engager, et on va se diviser plein de fois, évidemment, pour donner naissance au globule blanc, au globule rouge, etc. Avec des processus assez compliqués. Mais il y en a une des deux, initiale, qui est à nouveau une cellule souche. Donc on a un stock permanent de cellules souches. Donc ces cellules souches sont à la fois les cibles pour les thérapies géniques, mais c'est aussi les cibles depuis plus longtemps, depuis 1968, pour ce qu'on appelle les allogreffes de cellules souches, justement, de moelle osseuse, hématopoïétiques, qui permettent de traiter des maladies génétiques, comme celles dont on parle, mais aussi, plus fréquemment, des leucémies et d'autres maladies. Donc, cette greffe de moelle osseuse a fait beaucoup de progrès, continue de faire des progrès. Une des limites, c'est de trouver des donneurs, parce que donc, c'est quelqu'un qui donne sa moelle osseuse pour soigner quelqu'un qui est malade, et remplacer une moelle osseuse malade par une moelle osseuse saine. La limite, c'est la compatibilité entre le donneur et le receveur. Alors, entre frères et sœurs, ça marche pas mal parce qu'on a hérité, on a une bonne chance d'avoir hérité les mêmes groupes d'histocompatibilité qu'on appelle HLA. Si on n'a pas un frère ou une sœur qui est compatible, ça se complique. On peut trouver dans la population générale, mais pas toujours. Et sinon, il faut recourir, disons, aux parents, par exemple. Mais les résultats sont moins bons. Mais là, il y a eu, ces dernières années, des progrès assez sensibles dans la réalisation de ces greffes. C'est pour ça que j'en parle, parce que vous me parler de développement. Et si je reviens à la thérapie génique, il y a de nouvelles technologies de thérapie génique. Ce qui a été fait, ce qu'on a fait il y a 20 ans, et ce que d'autres ont fait, et qui s'est développé maintenant quand même pour un certain nombre de maladies, y compris les cancers, avec les CAR T-cells, les lymphocytes T modifiés pour traiter les cancers des gens, on fait quelque chose qui n'est pas extraordinaire. Enfin, c'est vraiment du bricolage. C'est-à-dire qu'on ajoute aux cellules un gène ou un gène bricolé, enfin modifié, et qui va se mettre quelque part dans le génome, dans un chromosome, sans qu'on contrôle rien du tout. Donc on ajoute quelque chose, c'est pas très physiologique. De temps en temps, je prenais l'image, par exemple, imaginons que le corps, ça devient une voiture et qu'on est chez un garagiste, et vous allez chez votre garagiste en disant ben, j'ai plus de lumière, j'ai plus de phare, et on va aller mettre le phare, on va mettre un phare, au lieu déjà des deux, disons les deux côtés, à gauche, à droite, quelque part où on peut, sans maîtriser où, alors qu'il peut se terminer sur le capot arrière, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon d'éclairer le conducteur lorsqu'il va... l'image est juste. Donc c'est pas mal, c'est mieux que pas devoir phare du tout, mais c'est pas idéal. Donc il y a beaucoup de recherches en cours pour faire en sorte que le phare aille au bon endroit. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut aller faire la modification génétique exactement à l'endroit dans le génome, chromosome numéro 3, 4, 22, peu importe, ça dépend des cas, où se trouve le gène malade qu'on veut remplacer. Donc les techniques là, fondées sur le fameux CRISPR-Cas9 approchent cela, parce qu'on peut couper, c'est mieux de dire couper, à mon avis, comme une espèce de ciseau moléculaire, si on veut. On coupe exactement où on veut, et ensuite on ajoute un petit morceau d'ADN et on recolle. Bon, la colle, elle vient du système physiologique de la cellule qui sait réparer l'ADN. Donc ça, on sait très bien le faire au laboratoire, sur un petit nombre de cellules. L'application telle que je viens de l'évoquer, donc pour corriger une maladie génétique, n'est pas évidente parce que le nombre de cellules qu'on arrive à corriger est encore très très faible. Mais il y a des modifications encore de cette technique, je ne vais pas entrer dans trop de détails, ça devrait être un peu lourd et probablement fastidieux, qui donnent quelques espoirs d'y arriver. Donc ça, c'est pour des travaux de recherche actuels qui peuvent concerner notamment les maladies génétiques, mais pas uniquement, et pas uniquement du système sanguin, aussi d'autres organes, le muscle ou le maladie du foie, par exemple, qui pourraient être concernés par ces approches. Vous parlez des cancers. Alors, en ce moment, il y a une grande exposition à la Cité des Sciences sur le cancer. Et pas seulement, c'est parce que ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Je crois que même dans cette salle, et ceux et celles qui nous regardent, nécessairement, à un moment ou un autre, que ce soit directement ou indirectement, connaissent, ont connu ou connaîtront le cancer. Depuis quelques années, on entend parler d'immunothérapie. Alors, ça me fait nécessairement penser à l'immunologie, et donc à l'immunologiste que vous êtes. L'immunothérapie est une ressource thérapeutique intéressante pour vous, prometteuse. C'est plus que prometteur, parce qu'il y a des résultats acquis. Maintenant, il y a deux grandes stratégies d'immunothérapie qui se sont développées.
et qui sont très intéressantes et qui vont encore se développer. Il y a une énorme recherche qui se fait tant dans le milieu académique qu'industriel pour promouvoir ces approches. En gros, de quoi s'agit-il? Quand une cellule devient cancéreuse, elle modifie forcément certaines de ses protéines. Il y a des mutations qui donnent un avantage, qui font que les cellules se divisent, ne meurent pas, enfin, métastasent, enfin, bref, les propriétés d'un cancer. Mais ces modifications des protéines peuvent faire qu'elles soient reconnues de ce fait par le système immunitaire, parce qu'elles deviennent un peu comme si elles étaient étrangères du fait de cette mutation. Donc on sait, on a mis en évidence qu'effectivement, assez souvent, les patients atteints de cancer ont effectivement une réponse immunitaire dirigée contre leur cancer. Mais par définition, s'il y a cancer, c'est que cette réponse immunitaire n'est pas assez efficace. Donc est-ce qu'on peut renforcer cette réponse immunitaire? Et la réponse est oui. Il y a notamment des travaux qui ont valu quelques années les prix Nobel à Jim Allison aux États-Unis et à Tasuku Honjo au Japon. Ils ont montré que en modifiant le système de régulation du système immunitaire, le système immunitaire, il a toutes sortes de molécules qui permettent de l'activer et des molécules aussi qui le régulent. Il faut une balance fine entre... Il faut que la réponse immunitaire se fasse quand on a un microbe qui vous infecte, mais on ne veut pas qu'elle soit trop forte, parce que si elle est trop forte, ça crée aussi une maladie. Donc il faut la juste balance. Donc il y a des molécules dont le but, c'est de freiner les réponses immunitaires qui se mettent en jeu au bout d'un certain temps. Et il y en a deux principales, il y en a d'autres, mais chacun de ces deux chercheurs ont mis en évidence que de freiner le frein, enfin plutôt lever le frein, c'est plus correct de le dire ainsi, lever le frein avec un anticorps, par exemple, qui va venir se fixer sur la molécule qui est à la surface de ces lymphocytes, va faire que la réponse immunitaire va être plus forte. Donc dans une situation de cancer où la réponse immunitaire est insuffisante, dans certains cas, ça ne marche pas toujours, mais en faisant cela, on arrive à traiter, même avec grande efficacité, ça veut dire jusqu'à des rémissions durables, certains cancers. Il y a eu des résultats dans les formes sévères de mélanome, les mélanomes métastatiques, certains cancers du poumon, certains cancers du rein. Donc ça, c'est une première approche qui est vraiment très astucieuse et fondée sur les connaissances fondamentales du système immunitaire. Incidemment, un tout petit peu aussi sur l'étude des maladies génétiques. Je ne suis pas responsable de ça. Parce que, à nouveau, j'insiste là-dessus, c'est le fait que la connaissance de maladies génétiques rares permettent, il y a plein d'exemples, permettent de mieux comprendre le système, comment il fonctionne physiologiquement, et donc contribue à la connaissance du système immunitaire et ensuite permettre de faire ces tentatives de les modifier comme cette façon de lever le frein. L'autre façon de procéder qui avance, c'est une thérapie génique où on modifie les lymphocytes, toujours les fameux lymphocytes, surtout les lymphocytes et éventuellement d'autres lymphocytes, de telle manière qu'ils aient à leur surface une protéine artificielle. Donc on crée un gène qui est en fait un assemblage de morceaux de gènes connus, dont on connaît les propriétés, et qui vont faire que ces lymphocytes vont reconnaître une molécule à la surface des cellules cancéreuses et les tuer. Et ça fonctionne pas mal pour un type très précis de cancer, ce sont les leucémies, c'est des cancers non solides où les cellules circulent, des leucémies concernant les lymphocytes eux-mêmes, on appelle les lymphocytes B, qui sont les lymphocytes qui produisent des anticorps. Donc il y a les myélomes, par exemple, qui sont des leucémies des lymphocytes B. Il y a ce qu'on appelle les leucémies aiguës lymphoblastiques. Il y a des lymphomes. Enfin bon, bref, il y en a un certain nombre de ces pathologies qu'on peut aujourd'hui commencer à traiter. Ça ne marche pas toujours, mais il y a des résultats vraiment convaincants avec cette thérapie génique. C'est la technique des CAR-T. CAR, en anglais, c'est chimeric antigen receptor, un récepteur pour l'antigène à la surface de la cellule tumorale. Chimérique, parce qu'il est artificiel. Et donc, ces lymphocytes qui ont été modifiés au laboratoire, donc c'est une procédure assez lourde, réinjectés aux malades, sont susceptibles d'aller tuer les cellules tumorales. Et il y a des résultats acquis, et c'est une piste qui devrait progressivement prendre de l'essor au cours des années qui viennent. Donc, vraiment, l'immunothérapie des cancers est une nouvelle voie de thérapie des cancers qui est très intéressante, prometteuse. Ce n'est pas la panacée universelle, évidemment, et qui vient s'associer. Ce n'est pas à la place d'eux, c'est associé aux autres armes connues, la chimiothérapie, malgré ses inconvénients, la chirurgie et la radiothérapie. Et puis, pour certains cancers, on peut travailler avant, en amont. Je pense notamment
à ce qui peut donner un cancer du col de l'utérus. La prévention, oui. Oui, on mais pas parler de vaccination. La vaccination. Mais pas que, voilà. On peut aussi ne pas fumer, par exemple. Absolument, bien sûr. Ça évite les absolument. Cancers. Mais je pensais à un particulier. Éviter le soleil. Qui est le papillomavirus, pour oui, lequel maintenant raison, nous avons sûr. Un vaccin, oui. Pour les plus jeunes, hein, pour les adolescents et les adolescentes. Et c'est ce qui permettrait d'éviter le développement ultérieur de certains cancers du col de l'utérus. Vous dites dans votre leçon inaugurale, vous avez dit dans votre leçon inaugurale au Collège de France... Qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne me souviens plus. Un immunologiste ne peut pas ne pas s'intéresser à la vaccination. Alors, il se trouve que vous avez été vice-président du conseil d'administration de l'Institut Pasteur, que vous avez donc piloté la stratégie vaccinale sur le Covid. Pourquoi dites-vous ça ? Pourquoi un immunologiste ne peut pas ne pas s'intéresser à la vaccination ? En quoi les choses sont-elles liées ? Et pourquoi c'est si important pour vous ? Tout simplement, la vaccination est probablement l'acte médical développé depuis qu'elle existe, qui a sauvé le plus de vies au monde. En vaccinant contre un certain nombre de maladies infectieuses, ça a commencé, disons, dans l'ère moderne. Il y a probablement eu des tentatives antérieures, mais à la fin du XVIIIe siècle, avec Jenner en Grande-Bretagne, qui a vacciné contre la variole avec succès, puisque cette maladie est aujourd'hui éradiquée, puis petit à petit, avec les progrès des connaissances, beaucoup d'empirisme d'abord, une tante Pasteur, Koch en Allemagne, et puis d'autres ensuite. D'abord de l'empirisme. Jenner, il n'avait aucune idée de ce qu'était le système immunitaire, n'empêche qu'il a eu une idée qui, juste par observation, qui s'est avérée tout à fait exacte et qui a permis de protéger les gens contre la variole qui, à l'époque, était endémique et tuait beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, de fil en aiguille, avec les progrès, donc encore une fois, d'abord empiriques, puis plus, mieux fondés sur les connaissances du système immunitaire, on a pu développer des vaccins. Donc, on peut prendre l'exemple d'HPV, qui est un très bon exemple. Sur le papillomavirus. Oui, papillomavirus, voilà. Donc, ce sont des virus qui sont communs, qu'on est tous infectés. Il y a des dizaines et des dizaines de papillomavirus. Certains donnent des virus vulgaires, donc des choses qui sont banales, en tous les cas, chez des sujets immunocompétents. Et d'autres peuvent donner des cancers, en particulier le cancer du col de l'utérus, mais aussi d'autres cancers, des cancers de l'anus, des cancers au niveau de la bouche et du pharynx. Et en France, il y a à peu près 6000 cas de cancers provoqués par ces virus par année. Ce n'est pas négligeable, et dont à peu près 2000 décèdent. 1000 femmes décèdent chaque année de cancer du col de l'utérus. Et un chercheur allemand, dans les années 80, a identifié la cause. C'est rare qu'un cancer soit dû à un virus, mais il y a quelques cancers qui sont dus à des virus. Ces cancers sont dus à ces papillomavirus qui transforment les cellules au niveau de l'utérus ou au niveau des autres muqueuses. Et ensuite est arrivée la mise au point de vaccins contre ces papillomavirus, d'abord pour quelques-uns d'entre eux, aujourd'hui contre 9 de ces papillomavirus. Et on sait aujourd'hui, avec les données publiées d'ailleurs dans ces derniers mois, que c'est une méthode extraordinairement efficace de prévention du cancer du col de l'utérus, là où ça a été mis en place en premier lieu, c'est en Australie, puis après en Grande-Bretagne et les pays scandinaves. On sait aujourd'hui que cette vaccination, si elle est faite au moment de l'adolescence, avant la vie sexuelle, donc avant la contamination qui se fait par voie sexuelle, diminue le risque de ces cancers de 90%. Donc en Australie, par exemple, où c'est très très bien fait, on sait, entre le moment où on s'infecte et le moment où le cancer survient, il se passe 20, 30, 40, 50 ans. Mais les Australiens savent que si la vaccination continue au même taux très élevé, comment ça se passe en Australie, eh bien, il y aura presque plus de cancers liés à HPV dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. En France, on suit malheureusement avec retard, parce que aujourd'hui, la vaccination est préconisée aussi bien pour les filles que les garçons, d'abord parce qu'un quart de ces cancers surviennent chez les hommes, et puis les hommes contaminent les femmes, donc il y a toutes les raisons de vacciner aussi bien les filles que les garçons. Aujourd'hui, on a à peu près 45% des adolescentes qui sont vaccinées, et 6% des garçons. Donc on est loin du compte. Il faudrait arriver à vacciner, disons, 75%. L'objectif de l'OMS est 75% de vaccination. Donc il reste du travail en France et un certain scepticisme, malheureusement, à l'égard de ce vaccin, qui est un exemple parmi d'autres de très grand succès de la vaccinologie, donc de l'immunologie. C'est pour ça que je fais le lien entre les deux. Mais on pourrait en parler pour le SARS-CoV-2 et le Covid, on pourrait en parler pour d'autres maladies infectieuses. Donc la vaccination, c'est, encore une fois, c'est une notion, enfin, c'est un acte, une action de santé publique, protéger une population, où en plus, pour la plupart, pas la totalité, mais pour beaucoup de vaccins, quand on vaccine, on protège la personne
qui reçoit le vaccin, mais aussi par indirectement, on protège les autres. Si quelqu'un, un garçon, est vacciné contre HPV, il ne contaminera pas des filles ou d'autres garçons. Donc on protège soi-même et les autres. Donc c'est à la fois une action de protection individuelle et un bénéfice collectif. Donc c'est vraiment un bienfait de la santé publique. Donc c'est une action absolument fondamentale de la médecine et qui est très, très liée scientifiquement à l'immunologie. Vous donniez l'exemple du SARS-CoV-2. De fait, on est encore dedans, puisqu'on parle du début d'une neuvième vague, que les plus de 60 ans sont même très fortement incités à aller recevoir une deuxième dose de rappel, et que je précise au passage que les moins de 60 ans peuvent aussi le faire sur la base du volontariat s'ils vont dans leur pharmacie. Voilà, c'est ça. Absolument. On commence à avoir un petit peu de recul. On a 18 mois de recul. Une étude toute récente de la revue Nature Human Behavior a quantifié l'impact de la pandémie sur l'espérance de vie en 2020 et en 2021 dans 30 pays qui disposent donc de statistiques fiables sur la mortalité. Ça, c'est quand même très important à dire. Et le constat est celui d'une baisse de l'espérance de vie qui a d'abord été observée en Europe, mais en France, cette baisse qui était très forte, relativement forte quand même en 2020, a été en partie rattrapé par la vaccination en 2021. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, si j'ai bien compris les conclusions de cette étude, il y a une très forte corrélation entre le gain d'espérance de vie et la couverture vaccinale anti-Covid. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Vous avez bien résumé cette étude qui a été publiée très récemment de collègues européens, qui est assez intéressante. Donc, dans à peu près tous les pays où on peut mesurer convenablement la mortalité, donc en gros les pays européens, les États-Unis et quelques autres pays, on a observé en 2020, du fait du Covid, de décès que chacun connaît, et donc en conséquence une baisse de l'espérance de vie, 6 mois pour la France, et plus aux États-Unis. Et on constate que dans certains de ces pays, mais malheureusement pas tous, les choses s'améliorent en 2021. Pour la France, a récupéré 5 mois d'espérance de vie, donc on en a perdu 6 en 2020, et on en regagne, on est presque revenu au niveau de 2019 à la fin 2021. Et la France est dans les meilleurs, dans les pays qui ont eu les meilleurs résultats, avec la Belgique et quelques autres pays. Donc on peut, de certaines façons, au moins considérer que c'est un gage d'un certain succès de la politique qui a été menée pour limiter les conséquences quand même assez terribles. Il y a eu 156 000 morts à ce jour de SARS-CoV-2 en France. Du Covid. Mais néanmoins, cette vaccination a sauvé énormément de vies, aussi évité des hospitalisations, etc., etc. Et ce n'est pas le cas dans tous les pays. Aux États-Unis, la situation reste assez critique. Et on peut montrer qu'effectivement, vous l'avez indiqué, que ce résultat corrèle très fortement. Il faut toujours se méfier. Une corrélation ne démontre pas une causalité. Mais enfin, ça suggère très fortement que c'est bien la vaccination, pas forcément que la vaccination, mais en tous les cas que la vaccination a joué un rôle protecteur extrêmement bénéfique. Et c'est vrai que la population française a été globalement bien vaccinée, mieux que la population nord-américaine, par exemple, ou britannique, et qu'on a de meilleurs résultats qu'eux. Mais donc c'est une forte suggestion, pour être rigoureux, encore une, avec cet exemple du SARS-CoV-2, de l'importance de la vaccination. Peut-être qu'il y aura des questions dans la salle après, hein, puisqu'on va donner la parole à la salle pour une trentaine de minutes après cette conversation. Mais ça me fait penser aussi que l'ARN est un merveilleux champ thérapeutique qui donne beaucoup d'espoir et qui n'est pas nouveau du tout. On le découvre, nous, mais là aussi, ça a plusieurs dizaines d'années déjà. Oui, c'est une histoire extrêmement intéressante. Donc, parmi les vaccins qui ont été développés rapidement, mais rigoureusement, j'insiste là-dessus, sans concession à la rigueur, contre le SARS-CoV-2, il y a ces fameux vaccins ARN, qui sont ceux, pour l'essentiel, qui ont été utilisés, même s'il y en a d'autres qui ne sont pas mauvais, qu'on oublie un peu, mais bon. Puis les fabricants des vaccins ARN aiment bien mettre en avant leurs vaccins. Bref, mais en tous les cas, c'est indiscutable. Et c'est la première fois que de tels vaccins ont été utilisés pour se protéger contre une maladie infectieuse, que c'est un progrès très significatif en vaccinologie, dont on espère qu'il aura des applications pour d'autres maladies infectieuses. Mais ça ne s'est pas mis... C'est pas apparu comme ça du jour au lendemain. À nouveau, je parlais tout à l'heure de temps très très long de la recherche. Les ARN, c'est des acides nucléiques qui permettent, les ARN messagers, pour être très précis, transporter de l'information du noyau, il y a les gènes, vers l'endroit où on fabrique les protéines dans la cellule, les ribosomes. Donc, c'est une molécule plus simple
d'acide nucléique qui va du noyau au cytoplasme et qui va permettre la fabrication de la protéine. Donc on utilise l'ARN d'un des constituants du virus, du SARS-CoV-2, qui s'appelle la spike, pour que la spike soit produite et ensuite immunise les sujets qui l'ont reçu. Mais derrière ça, il y a 60 ans de recherche. Les ARN messagers, ils sont connus depuis 1961, en particulier deux chercheurs français assez connus, François Jacob, très connu, et François Gros, qui est mort récemment, ont participé à ces travaux. Mais entre 1961 et 2021, il y a eu 60 ans de recherche, d'où d'abord fondamentale, comme toujours la recherche fondamentale est à la base de tous les progrès, c'est toujours, on retrouve toujours ce point, c'est un paradigme de la recherche scientifique appliquée à la médecine et dans d'autres domaines. Et puis, petit à petit, des évolutions technologiques où les chercheurs ont commencé à se dire mais peut-être qu'on peut transmettre des informations à travers des ARN dans des buts thérapeutiques. Donc, est-ce qu'on peut introduire de l'ARN dans des cellules? Donc, dans un premier temps, ça ne marchait pas, ça tuait les cellules. Donc, il y a eu des chercheurs, dont Mme Carico, qui est une des personnes... Catalina Carico, d'origine hongroise, qui a travaillé, c'est pas là, avec Drew Weissman. Elle a modifié un peu les ARN pour qu'ils soient moins toxiques. Il faut qu'il le soit un tout petit peu toxique pour avoir un effet adjuvant, en fait. Et en tous les cas, le constituant global avec la petite capsule de graisse dans laquelle ils sont insérés sert d'adjuvant. En tous les cas, permettre d'immuniser sans être trop toxique, sans abîmer les cellules. Donc ça a pris 5-10 ans environ. Et le, si, je vais dire quelque chose qui peut surprendre, mais en gros, le Covid est arrivé au bon moment. C'est au moment où la technologie était prête. Et c'est la rencontre de la maladie, si je puis dire, et de 60 ans de recherche qui ont permis que des vaccins soient développés aussi rapidement et aussi efficacement. Et je précise, c'est toujours important de le faire, que vous n'avez aucun lien, aucun conflit d'intérêt avec quelques lobbies pharmaceutiques soit. Non seulement j'en ai aucun, mais en plus, il se trouve qu'ils m'attaquent un peu de temps en temps parce qu'il m'arrive d'écrire des choses pas forcément agréables pour eux. On arrive au terme de cet entretien, mais encore deux questions, si vous le voulez bien. Quand on parle, que ce soit de la vaccination, que ce soit des nouvelles, des innovations thérapeutiques, on pense quand même que souvent, il y a un problème d'inégalité d'accès, c'est-à-dire qu'il y a certaines vies qui paraissent plus privilégiées que d'autres parce que ces vies-là ont accès à des thérapies et d'autres pas. Et en particulier, les innovations thérapeutiques sont souvent un coût, là, on revient sur les lobbies pharmaceutiques, mais un coût souvent prohibitif. Je crois que c'est un de vos combats, justement. Que faire pour changer la donne? Oui, ce n'est pas un combat simple. Bah, déjà, même à un niveau relativement simple et qui est connu de tous, les vaccins dont on parlait à l'instant sont disponibles dans les pays riches parce que nous pouvons nous permettre de les acheter. Il y a des pays qui n'ont pas les sous, même des pays, disons, en situation intermédiaire. Par exemple, les vaccins contre le Covid ont été achetés ensemble par l'Union européenne, ce qui était une très bonne chose. Mais des pays comme la Roumanie, par exemple, qui ne sont pas très riches, ont renoncé à leurs vaccins parce que c'était trop cher. Oui, même la Roumanie. Donc ce type d'inégalité mondiale est... On pourrait en parler longtemps, quelle solution. Enfin, c'est pas très, très simple, mais on pourrait en parler longtemps. Mais c'est un sujet majeur. Ça nous concerne tous pour des raisons éthiques évidentes et même aussi des raisons de santé publique. Parce que si le virus persiste dans des zones où les gens ne sont pas vaccinés, il mute, on le sait, et il peut revenir en boomerang même auprès des gens vaccinés. Donc c'est peut-être le point le plus important. Mais néanmoins, ce à quoi vous faites allusion, c'est ce qui se passe même dans nos pays plus favorisés, c'est qu'on observe depuis, disons, les 10-15 dernières années, à chaque fois qu'une médecine vraiment innovante apparaît, on parlait des progrès dans le domaine du cancer tout à l'heure, des progrès de la thérapie génique, mais on pourrait en évoquer d'autres. Les médicaments qui sont mis sur le marché le sont à des prix extrêmement élevés. Ils n'ont plus grand-chose à voir avec les coûts de recherche, de développement, de production, de distribution des médicaments. L'industrie justifie ces prix très élevés, juste pour donner un ordre de grandeur. Par exemple, il y a une thérapie génique pour une maladie neuromusculaire qui s'appelle l'amyotrophie spinale. Le traitement, en gros, coûte 2 millions d'euros pour un malade. 2 millions d'euros. Et puis, il y a un traitement d'une maladie semi-rare, la mucoviscidose, maladie qui touche les poumons, maladie génétique. Il y a maintenant un très bon traitement et de vraies innovations médicales, ce qui est formidable, qui est une combinaison de molécules chimiques, donc médicaments classiques qu'il faut prendre de façon permanente. Le traitement, ça coûte 200 000 euros par malade et par an. Il y a 6 000 malades en France. Vous pouvez faire rapidement les calculs que si on multiplie, et on va multiplier ces innovations médicales dans les années qui viennent, il y a un moment où l'équation économique ne tiendra plus.
Et il y a une vraie difficulté donc, d'accessibilité, et qui, parce qu'on pourrait arriver à une situation, si je caricature, je dirais à l'américaine, j'exagère un peu parce qu'il y a quelques garde-fous aux États-Unis, mais pas tant que ça, où il faut être riche, avoir une bonne assurance pour pouvoir disposer de ces médicaments innovants. En France, nous avons un système social plus développé et nous sommes tous égaux, en théorie du moins, dans l'accès au remboursement des soins. Mais jusqu'à quand on tiendra en termes de capacité de remboursement, donc de prise en charge par la communauté, à travers la Caisse nationale d'assurance maladie, de médicaments qui coûtent aussi cher. Et la question se pose pour la France et pour, bien sûr, les autres pays. Et je pense qu'il faut que la situation évolue, sinon on perdra, même au sein de la France, une égalité d'accès aux innovations médicales. Dernière question, Alain Fischer, puisqu'on est dans un cycle qui s'intitule « La vie selon », que la vie ne va pas sans la mort. On n'a pas parlé de la mort tout au long de cet entretien, mais elle était quand même un peu là. On l'a entendu à différents moments. Je pense au serment d'Hippocrate, que je ne connais pas par cœur, parce qu'il est très long à apprendre, je crois. Mais le rôle du médecin, c'est quand même de préserver la vie. Est-ce que c'est préserver la vie à tout prix? Autrement dit, quelle est votre conception de la fin de vie? Vous avez aussi été membre du Conseil consultatif national d'éthique de 2005 à 2009, ou de 2003 à 2009, quelque chose comme ça, quelques années. Oui, quelle est la conception de la fin de vie pour le médecin que vous êtes? Alors, c'est un sujet évidemment délicat, où à l'évidence, il y a plusieurs opinions qui sont respectables, et le débat est actuel. Et, enfin, de mon point de vue, en tous les cas, la vie n'est pas un objectif en soi. À la vie doit être associé un minimum de qualité de vie, de relations sociales, d'absence de douleur ou de gènes fonctionnels tels ou de perte de conscience qui enlève tout sel à la vie, si je reprends l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure. Donc, il y a une limite. Et la limite, ce n'est pas strictement le fait d'avoir encore un cœur qui bat. Ça, c'est admis par tout le monde. Les personnes en situation de coma, c'est une situation relativement facile à définir, en coma dépassé où l'activité cérébrale est perdue, sont des personnes qui, tout en étant théoriquement encore en vie, en fait, sont mortes. Mais ça, c'est une situation, disons, extrême. Il y a plein de situations intermédiaires qui sont extrêmement délicates. Et dans ma pratique, dans des situations de thérapeutique qui ne s'avéraient pas efficaces, on parlait tout à l'heure de greffe de moelle osseuse, par exemple, ou d'autres, ou même chez les enfants. Donc malheureusement, on est confronté à des enfants dont on voit bien qu'ils vont décéder, mais que le temps nécessaire pour que cela survienne est plus ou moins long, et qu'entre-temps, ces enfants souffrent. On peut aller, heureusement, pour l'essentiel, supprimer ces souffrances, mais se pose la question du moment ou de l'arrêt des soins dits curateurs. Arrêt des soins curateurs ne veut pas dire qu'on arrête de soigner les gens. On compte bien au contraire. Il y a tout le développement des soins palliatifs qui sont extrêmement importants, qui sont d'ordre différent, médicamenteux, mécaniques, psychologiques, etc. Mais les limites entre ces différentes actions et les actions aussi qui consistent à arrêter des soins dont on sait qu'ils maintiennent la vie, la question se pose. Et à titre personnel, dans des situations extrêmes, cela ne me heurte pas qu'on le fasse. Après, il y a le stade éventuellement suivant, qui est de l'administration à la demande des personnes d'un médicament pour abréger la vie dans des situations absolument épouvantables, donc ce qui n'est pas autorisé aujourd'hui en France. On peut comprendre que dans certaines situations, il faut faire attention, il faut des limites. Je serais plutôt enclin, à titre personnel, à penser qu'il y a des situations où cela peut se justifier. Merci beaucoup, Alain Fischer. Merci à vous. Merci de votre attention. Et la parole est à vous. Nous avons une petite trentaine de minutes, je crois. L'intérêt d'être dans la salle, c'est qu'on peut poser des questions, à la différence, me semble-t-il, de derrière son écran. J'invite les spectateurs à nous rejoindre dans la salle pour les prochaines séances. Monsieur. La dangerosité du Covid, c'était les Covid graves et c'était l'emballement du système immunitaire. Et qu'est-ce qu'il en est vraiment? Pourquoi il se met à s'emballer? Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, la gravité de la maladie, elle est liée au fait que le virus, chez certaines personnes, les personnes les plus âgées ou des personnes fragiles, pour une série de raisons diverses, dont certaines anomalies du système immunitaire, ont une réponse immunitaire complètement anormale, qui est inefficace. Donc le virus ne disparaît pas. Notamment les lymphocytes dont je parlais tout à l'heure sont en nombre diminué.
et donc n'arrive pas à tuer les cellules infectées par les virus, qui est une bonne façon de se débarrasser d'une infection en général. Et à contrario, un certain type d'immunité, la production de substances dites inflammatoires, se fait massivement, notamment dans les poumons, qui est l'organe le plus touché. Ce n'est pas le seul, mais il est principalement touché, avec l'afflux de certains globules blancs qu'on appelle les macrophages, et qui, en fait, le poumon, il est vide, hein, c'est plein d'air, le poumon. Il y a des alvéoles, et les alvéoles contiennent de l'air. C'est ainsi que se font les échanges gazeux, on capte l'oxygène et on rejette le gaz carbonique. Eh bien, imaginez que ces alvéoles, elles sont pleines de cellules ou de débris, et donc le poumon, il ne fonctionne plus. C'est ça qui se passe. Alors, pourquoi ça se passe chez certaines personnes et pas d'autres ? On connaît plein de facteurs de risque, dont l'âge, certaines maladies, mais très, très précisément, l'explication, si on prend par exemple deux personnes âgées de 90 ans, donc très à risque, pourquoi l'une va faire un Covid bénin, banal, comme un jeune, et une autre personne va mourir ? Il y a quelques facteurs que l'on est capable d'identifier, mais très fondamentalement, aujourd'hui, on ne le sait pas. Ça reste en partie mystérieux. On n'a pas tout compris encore, même si on comprend de mieux en mieux les mécanismes de défense contre le virus, il reste des éléments d'inconnu. Ce qui fait que malheureusement, parce que si on pouvait répondre à cette question, ce serait merveilleux, parce qu'on pourrait identifier les personnes à risque et donc les protéger plus spécifiquement que les autres, ce qui n'est pas possible. Monsieur ? Oui, alors bonsoir tout le monde. Et moi, je m'appelle Papa Eric, oui, Papa Eric. Ma question est celle-ci. Et c'est quoi l'hypophyse ? Oui. L'hypophyse, c'est une petite glande, toute petite, qui est située à la base du cerveau. Alors, je ne peux pas montrer où, parce que c'est en plein milieu, et qui est très importante pour le système endocrinien. Donc c'est très loin de ce qu'on a discuté tout à l'heure sur le système immunitaire. Ça fait que, par exemple, les glandes surrénales ou la glande thyroïde, ou aussi les organes sexuels, produisent telle ou telle hormone. Et c'est l'hypophyse, elle transmet des informations avec des substances, des protéines, à ces glandes endocrines, par exemple pour la glande thyroïde, de fabriquer les hormones thyroïdiennes qui sont importantes pour notre corps. Donc l'hypophyse, c'est ça sa fonction. Et elle le fait à la jonction entre le cerveau, donc tout ce qui se passe dans notre cerveau, et donc notre système endocrinien. Merci. Une autre question ? Monsieur, à nouveau. Et ça serait pour le virus du sida. J'ai cru comprendre qu'il était un superbutateur. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le vacciner. Mais pour autant, on arrive à le rendre indétectable avec les trucs très rapides. Et comme... Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, en gros, ce que je ne suis pas un spécialiste, mais les médicaments qu'on utilise, effectivement, en combinant trois médicaments, on arrive à bloquer la fabrication des particules virales. C'est-à-dire que le virus, il est là, mais il ne peut plus se diviser. Donc, il n'est plus capable d'infecter de nouvelles cellules. Donc, il persiste, d'ailleurs, de façon éventuellement silencieuse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune particule virale produite, mais le génome du virus persiste dans certains lymphocytes. Mais grâce à ces médicaments, dès que ça redémarre un petit peu, pouf, les médicaments bloquent cette réplication, enfin la production des particules virales, donc les choses sont sous l'éteignoir. Mais si les malades arrêtent le traitement, sauf dans quelques rares cas, malheureusement trop rares, ça repart. Parce que comme le génome viral est toujours là, la maladie redémarre. Donc le virus dort, entre guillemets. Tant qu'il dort, il ne se passe rien. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de réponse immunitaire, parce qu'il n'y a pas de protéines du virus qui sont exprimées. Mais et les médicaments permettent d'induire un long sommeil du virus, mais simplement un sommeil, pas une guérison. Le vaccin, effectivement, malgré des grands efforts, pour l'instant, il n'est pas au point, en grande partie pour la raison que vous avez évoquée, c'est-à-dire que le virus mute chez une personne donnée. C'est un peu vrai pour le SARS-CoV-2, mais encore plus pour le VIH. Si on séquençait le génome de plusieurs virus isolés, on trouverait des séquences différentes. Donc on n'est pas infecté par un virus, mais par une myriade de virus qui se sont différenciés les uns des autres par mutation. Donc ce qui complique la capacité d'induction d'une réponse immunitaire avec un virus donné.
Et par ailleurs, il y a aussi d'autres raisons. Une autre raison, c'est que le virus, il pénètre, donc il y a une protéine, une glycoprotéine d'enveloppe du virus qui se fixe sur une molécule précise, ça s'appelle la molécule CD4 des lymphocytes T. Et il le fait d'une façon, avec une configuration dans l'espace qui rend relativement inaccessible cette région de la molécule aux anticorps. Les anticorps induits par la vaccination, ou l'infection, mais par la vaccination, neutralisent les virus. C'est ce qu'on attend, par exemple, contre le SARS-CoV-2. Donc, empêchent le virus de se fixer sur les cellules. Et là, c'est très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est extrêmement difficile. Donc, c'est vraiment un cas compliqué qui fait que depuis, maintenant, ça fait 30 ans d'efforts, on n'y est toujours pas. Mais il n'y a pas que l'HIV pour le VIH, pour lequel les vaccins n'ont pas pu, à ce jour, aboutir. Mais on finira peut-être par y arriver. Il y a quelques approches pour essayer de trouver une réponse immune qui soit capable de reconnaître tous les virus, les VIH, quelle que soit leur mutation. Ce n'est pas tout à fait simple. Monsieur. Quatrième rang. Oui. Bonsoir. Je voulais poser une question sur la recherche et sur la simulation d'organes en informatique pour savoir où on en est dans cela. Enfin, ça semble intéressant et donc pour éviter des expérimentations sur l'animal ou tout ça. Donc, je vais savoir où on en est là-dedans et qu'est-ce que ça permet de faire. Alors, simulation strictement sur informatique isolée. Sans expérimentation, à ce stade, ça ne permet pas d'aller très loin. Mais ça aide à modéliser ce qu'on peut faire aujourd'hui, qui est intéressant, qui est de créer des petits organes artificiels. Alors, c'est plus ou moins développé en fonction des tissus. C'est plus ou moins compliqué. Hein. Vous comprenez facilement qu'un tissu qui est composé de plusieurs types cellulaires différents est beaucoup plus difficile à reconstituer qu'un tissu où toutes les cellules sont les mêmes, à peu près. Hein. C'est plus facile de faire de la peau. D'ailleurs, on est capable de produire des grandes quantités, au moins de l'épiderme, la partie superficielle de la peau. Ça, c'est utilisé, par exemple, pour les grands brûlés, pour reconstituer une surface cutanée. Mais il y a des avancées dans ce domaine. En plus, on peut reprogrammer des cellules en cellules souches, donner naissance à différents types cellulaires, et on avance progressivement vers la constitution, ce qu'on appelle pour l'instant des organoïdes, donc des pseudo-organes, mais qui permettent de faire toute une série d'expériences jusqu'à tester des médicaments, etc. Est-ce que ça permet de se passer complètement l'expérimentation animale? Honnêtement, la réponse est non. Je pense que ça limite l'expérimentation animale, mais l'expérimentation animale reste incontournable, en gros, avant toute mise en œuvre d'une thérapeutique chez l'homme. Je voudrais ajouter une information, parce que nous avons un cycle de conférences qui s'appelle « Les biotechnologies au cœur du soin » qui a lieu en ce moment. Donc, le 8 décembre, vous avez rendez-vous avec un chercheur qui a créé sa petite entreprise pour la fabrication de tissus et d'organes. Donc, vendredi à 18h30, ici même. Et le 15 décembre, vendredi, c'est pas un vendredi, c'est un jeudi. Et le jeudi 15 décembre, il y aura une table ronde sur les alternatives à l'utilisation des animaux dans l'expérimentation. Et donc là, vraiment, votre question est tout à fait d'actualité pour ces deux dates. Donc, vous aurez un complément de réponse. Voilà. Et je peux me permettre quand même de dire encore un tout petit mot. Si je prends l'exemple du vaccin contre le SARS-CoV-2, avant d'être administré à l'homme, il a été administré à des souris. C'est intéressant, mais pas très, très pertinent. Il a été administré à des hamsters, parce qu'il se trouve que le hamster fait une maladie qui ressemble un peu à celle de l'homme. Et surtout, il a été administré à des singes, permettant le singe comme se rapproche un peu plus de l'homme. Ça pose des questions éthiques évidentes. Toute l'expérimentation animale pose des questions éthiques, mais plus on se rapproche de l'homme, évidemment, plus ces questions éthiques sont pertinentes. Mais néanmoins, ces expériences, c'est le singe de vaccination et ensuite de challenge avec le virus, voir si la vaccination est protégée ou pas et dans quelles conditions, sont extrêmement utiles. Et ça n'aurait pas été possible d'aller chez l'homme, de vacciner des êtres humains sans avoir fait ces expériences au préalable.
Oui, tout à fait. De toute façon, ces rendez-vous dont j'ai parlé, c'est pas du tout pour vous contredire. Non, parce qu'on a bien discuté avec les intervenants. En fait, c'est pas pour polémiquer, hein. C'est pour dire quelles sont les recherches actuellement en cours, celles qui sont efficientes et celles qui sont prometteuses. Voilà. Merci, Nejma. Et monsieur qui voulait poser une question, oui, juste à côté de vous. Oui, bonsoir. J'avais deux questions. Une question sur les cellules souches. Quel est le rôle des cellules souches dans les traitements par rapport aux maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques? Et l'autre question, c'est pour les chercheurs en France, vous avez dit que parfois ils étaient trop stables. Vous voulez dire quoi par là? Alors, le traitement par les cellules souches pour des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, aujourd'hui, non. Ce qu'on peut envisager, par exemple, si on prend l'exemple de la sclérose en plaques, de ce que je sais, c'est qu'on sait que c'est assez différent. On sait que les lymphocytes B, qui produisent des anticorps, ont un rôle pathogène dans cette sclérose en plaques. Donc aujourd'hui, on traite les patients volontiers avec des anticorps monoclonaux, donc des anticorps qui sont tous les mêmes, une forme de biothérapie qui cible le lymphocyte B, pour les faire disparaître. Ça a l'air d'être une thérapeutique intéressante. Traitement par les cellules souches, dans ce cas, non. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui comme traitement des cellules souches? C'est essentiellement les allogreffes, dont je parlais tout à l'heure, de cellules souches de la moelle osseuse pour remplacer tout le sang. Pour des gens qui ont des maladies malignes ou des maladies génétiques du sang, ça peut être, par exemple, les anémies assez connues, comme la thalassémie ou les drépanocytoses et d'autres maladies de ce type-là. Il y a dans une certaine mesure la peau. J'ai fait allusion tout à l'heure aux utilisations de cultures de kératine aussi, donc des cellules de l'épiderme, qu'on peut obtenir avec des cellules souches qui sont dans l'épiderme. Et on peut les développer au laboratoire et recouvrir les plaies de sujets gravement brûlés. Pour l'instant, c'est tout. Ce n'est pas exclu que l'utilisation de cellules souches soit naturelle, soit de cellules souches reprogrammées à partir d'autres cellules du corps, puisse avoir d'autres intérêts thérapeutiques à venir, mais on entre dans une complexité qui se rapproche de la question précédente, c'est que la plupart des organes sont constitués de différents types cellulaires. Il faut arriver à modéliser, puis constituer ces ensembles sur des plateformes biocompatibles. Enfin, il y a beaucoup de travaux dans ce sens, mais ce n'est pas au point aujourd'hui. Votre autre question sur la stabilité des chercheurs. Depuis 1983, les chercheurs sont des fonctionnaires. Ce qui a avantage et inconvénient. C'est-à-dire qu'un chercheur, quand il est recruté au un concours qui est extrêmement sélectif, très dur, il n'y en a qu'une minorité, genre 10% qui vont réussir, c'est très très dur. Mais ensuite, ils ont une sécurité de l'emploi, c'est un avantage évident. En moyenne, ils sont recrutés actuellement vers 32-34 ans, ce qui est très tard. Mais néanmoins, après, ils ont une sécurité de l'emploi et ce qui est intrinsèquement évidemment une bonne chose, et aussi qui permet de s'engager sur ce dont on discutait tout à l'heure, des projets à long terme. L'inconvénient, c'est le fait que on reste pas forcément, ça dépend des gens, mais tous les chercheurs ne restent pas productifs, imaginatifs et capables de développer des projets de recherche toute leur vie. Donc imaginons qu'à 45 ans ou 50 ans, un chercheur en fait ne soit plus en mesure d'exercer son métier de chercheur, mais il est fonctionnaire chercheur, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est l'inconvénient. Donc, il faut trouver des systèmes de souplesse, d'évolution des carrières pour que ces personnes puissent rester utiles pour la société, mais sans éventuellement occuper un poste de chercheur. Donc, voilà le dilemme. Il n'y a pas de solution simple. Certains pays, notamment les pays anglo-saxons, ont opté pour une titularisation plus tard, franchement, beaucoup plus tard. Donc, ça permet de lever, en gros, l'inconvénient que j'ai évoqué, mais par contre génère les inconvénients liés à l'instabilité des situations sociales, qui est un peu moins compliqué aux États-Unis qu'en France, mais quand même, ça l'est, et les difficultés de recrutement. Donc il faut naviguer entre les deux, et il n'y a pas de solution évidente. On va prendre encore une ou deux questions. Monsieur lève la main. Je précise, je le dis souvent dans les assemblées, les femmes ont aussi le droit de poser des questions. Hein. Allez-y, monsieur. Oui, c'est une question, ça ne touche pas directement l'immunologie, mais plutôt la situation sur un plan statistique actuel. Est-ce que vous pouvez apporter un bref éclairage? Il semble qu'on soit dans le début d'une 9e vague, éventuellement.
Ben, moi, j'y avais échappé jusqu'à il y a quelques jours. Et bon, j'espère plus positif, mais... Nous aussi. En n'ayant pas eu la cinquième dose. Et on retrouve des cas. Statistiquement, il semble bien que la vaccination ait permis d'atténuer largement la gravité. Est-ce que... qu'est-ce qui est prépondérant ? Est-ce que c'est les variants qui sont beaucoup plus contagieux maintenant et plus agressifs, moins agressifs, justement ? Ou est-ce que c'est l'effet de la vaccination que, quand même, on a un peu moins de cas graves, enfin, hospitalisation, soins critiques et jusqu'au décès, qui peuvent malheureusement encore remonter ? En gros, la réponse, c'est une combinaison des deux. Vous avez raison de dire qu'il y a une certaine reprise... De l'épidémie actuellement. Il y a à peu près 40 000 cas diagnostiqués par jour en France. Il y a 700 hospitalisations et quand même 60 décès par jour. Ce qui, évidemment, sont des personnes très fragiles, très malades, très âgées, mais quand même, ce sont des personnes qui décèdent de façon prématurée. Et qu'est-ce qui se passe ? La vaccination a un effet très efficace sur la prévention des formes graves de la maladie, parce qu'il induit une mémoire immunitaire et que si on est en contact avec le virus, au bout de quelques jours, on a une réponse qui va être efficace, en gros, pas à 100%, mais qui est très bonne, mais ne prévient moins bien l'infection. Parce que, sauf si on est à courte distance de la dernière vaccination, on a un taux d'anticorps capable de bloquer le virus, anticorps qu'on appelle neutralisant, qui n'est pas très élevé au niveau du lieu de l'infection, c'est-à-dire le nez et la gorge. La vaccination n'induit pas une immunité locale, elle induit une immunité générale dans tout le corps après injection intramusculaire. Et de ce fait, on neutralise pas le virus tout de suite, donc il a le temps de provoquer une infection, mais qu'on va limiter ensuite. C'est ce qui explique que la vaccination soit plus efficace pour protéger contre les formes graves que contre l'infection elle-même. Par ailleurs, c'est combiné avec ce que vous avez dit, c'est que le virus varie. Et on a des variants actuels, le dernier, là, c'est BQ1.1, enfin, il y en a des ribambelles, qui sont un peu plus résistants à la réponse immunitaire, un peu plus contagieux, mais plutôt moins agressifs. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il n'y ait pas un variant, on ne peut pas l'exclure tout à fait, ce n'est pas très probable, mais ce n'est pas impossible, qui combine une contagiosité plus élevée et un caractère aussi agressif que ne l'étaient, par exemple, les premiers variants, les Delta, par exemple, ou même carrément la souche initiale de Wuhan. C'est pour ça qu'il est important de maintenir un niveau de vaccination élevé dans la population, évidemment en premier lieu des personnes fragiles, pour qu'elles se protègent elles-mêmes, mais même dans une certaine mesure dans la population, pour limiter ce risque. Une dernière question ? Je voudrais juste ajouter une information. Ne croyez pas que monsieur et moi sommes complices, mais... Parce que, donc, jeudi prochain, là, le 1er décembre, nous avons une conférence sur l'ARN, de l'origine de la vie au vaccin. Donc, vous aurez encore des réponses complémentaires à votre question. Alors, la dernière question. Et alors, pour la fin de vie, enfin, le choix de la fin de vie, qu'est-ce que vous pensez de, je vais dire, l'euthanasie encadrée de Belge et le suicide assisté de la Suisse ? Oui, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure. Je pense que dans des situations extrêmes, je pense qu'il faut codifier très précisément. À mon sens, c'est acceptable. Mais dans des conditions vraiment extrêmes, et il faut éviter aussi des dérives. Il y a les dérives liées à l'absence de... C'est pas exactement une dérive, mais le fait qu'on prolonge des situations où les gens ne souhaitent absolument plus vivre, l'ont exprimé de façon très très claire, et situation qui soit absolument intolérable. Et donc c'est là qu'on peut respecter éventuellement le désir d'une personne de voir sa vie abrégée, mais il faut aussi se méfier, faire attention à des dérives inverses, c'est d'aller trop loin dans d'abréger la vie d'une personne parce que finalement ça serait confortable pour son entourage, etc., etc. Ou même d'ailleurs de la une personne peut à un moment donné exprimer le souhait de mourir et changer d'avis 8 jours après ou 15 jours après. Je connais des exemples de ce type. Donc, il faut faire extrêmement attention. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Vous disiez en 2016 que le discours médico-scientifique classique, y compris le plus honnête possible, ne passe plus. Je crois que vous avez démontré le contraire ce soir. On vous a dit ça comme ça.
Merci et bonne soirée à tout le monde.